Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragma. On se retrouve avec un nouvel avis manga sur Polar Bear in Love. Ouais, j'ai plus grand chose à présenter ces derniers temps là. J'ai pas lu beaucoup ces derniers jours et du coup, j'ai pas grand chose à présenter. Donc là, je prends un titre qui date d'il y a un petit moment que j'avais jamais présenté et que je pensais pas présenter un jour. Donc là, je désolé, je prends ça. Voilà. Donc c'est un Kodomo. Bon, les mini shoujo Shinen, j'ai vu ça, j'avais what, ok. Je mets plus en Kodomo. C'est un comédie tranche de vie fait par Koromo. Pour l'histoire, nous suivons un ours qui va rencontrer un petit phoque, un bébé phoque même. En fait, il va se lier d'amitié un peu forcé puisque le phoque est un petit peu en PLS en mode je vais me faire bouffer. Et l'ours, il est un peu en mode il est tellement mignon, je le garde avec moi. Pas pour le manger, hein, juste parce qu'il le kiffe. Voilà, il le kiffe et il veut être son poteau. Sauf que le phoque, je le redis, il est vraiment en PLS en mode putain, je vais me faire bouffer à tout moment. Et en fait, à toutes les phrases qu'il dit, il est en train de se dire oula, oula, là il a dit un truc, l'ours, je sens que ça veut dire qu'il veut me bouffer. Oh, je le sens. Même des fois, le phoque dit quelque chose et il se rend compte, oh putain, j'ai dit une connerie. Oh, j'ai dit une connerie là. Oh, bah, bon, c'est un gamin, hein, il sait pas encore tout ce qu'il doit dire. Il est né il y a pas longtemps en plus, hein, de ce que je me rappelle dans l'histoire. Et voilà, ça, je vous ai fait grosso modo les résumés du manga. C'est un manga qui vous parle d'un ours avec un phoque. Donc un ours qui adore un phoque et le phoque qui a peur de l'ours. Donc voilà. C'était long comme résumé. Hein. Pour mon avis sur le manga, bah, c'est mignon, mais je suis pas trop sur les mangas ultra mignons comme ça. Il y en a qui me font marrer, genre le manga, il y a deux mangas là, avec le lapin qui m'a fait marrer, et il y a des histoires un peu plus... un peu mignonne que j'arrive à accrocher des fois, il n'y a pas de problème. Mais là, je vous avoue, j'étais un peu en mode ouais, ok, c'est pourquoi pas, mais bof, j'ai pas accroché plus que ça. Il y a très peu de chances que j'achète la suite. Vraiment, très 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 peu de chances que j'achète la suite du manga. C'est... je préfère quand c'est trash, je préfère quand il y a de l'horreur, ou de l'amour, des trucs du genre, mais là, non. C'est... bon, là, il y a de l'amour, tu vas me dire, mais non, là, c'est trop. C'est trop niais pour moi. Vraiment, c'est beaucoup trop niais pour moi. Là, de ce qu'on a vu du début, je le redis, hein, le phoque va chercher un peu sa maman. L'ours, il va un peu l'aider. À chaque fois, il veut câliner le phoque. Sauf que le phoque, t'as l'impression qu'il va faire une crise cardiaque à chaque fois qu'il se fait toucher par l'ours. Voilà, là, je vous ai fait un gros résumé. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Cette vidéo va être courte, je sens. Potentiel du manga, bah pour l'histoire, bah je pense pas qu'il y aura une vraie histoire, je pense que ça va être une suite d'événements liés avec le phoque. Pour l'instant, je le redis, c'est juste voilà des petits trucs qui se passent vis-à-vis de ces deux personnages. Il y a rien de bien exceptionnel, il y a quand même une continuité en mode voilà, au début je cherchais ma mère, après bon bah faut bien se nourrir, faut bien faire des trucs, tout ça. Bref, c'est une histoire d'un phoque et d'une ours, d'un ours et d'un phoque sur la banquise. Et ça, pour l'instant, ça s'arrête là. Voilà. Pour ce qui est du dessin, bah, rien d'exceptionnel. C'est mignon. Voilà, c'est du dessin assez simpliste en vrai. Mais ça reste assez. Je dis, hein, le concept du manga, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Enfin, rigolo, c'est un grand mot. Hein, j'ai pas trop rigolé dessus. C'est mignon à suivre. Voilà, c'est la mignonnerie. Voilà, ça s'arrête là. Les personnages, bah, il n'y a pas un gros développement. Hein, c'est vraiment en mode... bon, on a un ours qui est en surkiff. En plus, on n'a pas trop de raisons. C'est l'ours qui est carnivore, qui veut être en kiff sur le phoque. Et en fait, quand tu te réfléchis d'un point de vue nature, en mode, bah, il faut bien qu'il bouffe. Donc, il va peut-être pas bouffer le phoque, d'accord. Mais imagine, à un moment, il a la dalle. Il va chercher un phoque adulte. Et le bouffe devant le petit. Comment il va réagir le petit? Pareil, le phoque, faut bien qu'il se nourrisse. Enfin, c'est du lait qu'il boive au début. Comment il va faire? Il produit pas de lait, l'ours, pour l'instant. alors, peut-être qu'il est sevré à ce moment-là, je sais pas. Mais dans tous les cas, il a besoin de poissons, de trucs du genre. Il sait pas encore nager, de ce que j'ai vu. Et je crois qu'il a même pas encore sa peau, façon duvet amphibien, là. Donc, pour l'instant, il est un peu couillonné. Donc voilà, je sais que je pense pas que le manga va s'embêter avec des questions comme ça. Je pense que le côté manger, tout ça, ça va être zappé. Hein. À mon avis, il y a très forte chance que ce soit zappé. excusez-moi. Donc voilà, là sur les personnages, bah y a rien à dire. Je le redis, ça se résume à un ours qui kiffe un phoque qui est en PLS à côté de ce ours. Voilà. Jusqu'où le manga peut aller, bah... je sais pas.
Je sais pas, je pense pas qu'il y aura une vraie fin. Ou alors peut-être que le phoque à la fin il va dire à un moment: ah ça y est, j'ai grandi et maintenant bah je vais à l'aventure. Enfin, tout seul, je vais vivre ma vie. Justement, en plus les animaux ça grandit assez vite au début, donc bon, je me dis qu'au bout d'un moment, il va peut-être plus le trouver aussi mignon, hein. Bon, ça reste un Kodomo pour moi, donc je pense pas qu'on va aller sur genre: oh, t'es devenu adulte, maintenant je te bouffe parce que t'es plus mignon! En vrai, ce serait un retournement de situation rigolo, mais non. Peu de chance que ça arrive. Donc voilà, pour l'instant, rien de particulier. Je redis, j'ai pas été méga méga fan du manga. Si vous aimez les animaux, si vous aimez le côté mignon, oui, il vaut le coup, clairement, et je pense que tu peux le conseiller à certains enfants. Mais là, il n'y a rien d'exceptionnel. De ce que j'ai vu, hein, je le redis, de ce que j'ai vu, et ça reste que mon avis. J'ai rien vu de folichon, d'hallucinant, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était un avis manga assez court, mais là, je n'avais pas grand-chose d'autre à vous présenter pour l'instant. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.